Bonjour. Le Farsight Institute s'intéresse aujourd'hui au cas de Betty et Barney Hill. Alors, si vous connaissez peut-être un petit peu maintenant Henry Maudlieu, peut-être que ce cas vous est inconnu. C'est un des premiers couples à avoir relaté une abduction. Et il y a plein de versions autour de cette abduction. Une des dernières que j'avais entendues et qui était la moins favorable au cas de l'abduction réelle, était qu'ils avaient cru avoir été emmenés. Ils avaient cru. Ils ne mentaient pas, mais ils croyaient, comme si on les avait mis sous hypnose, en fait, pour leur faire croire ça, comme si ça avait été une mémoire écran. Et donc, même si je connais bien ce cas, quelque part, à part les dates et tout ça, les petits détails là, qui font toujours plaisir à étaler, mais qui n'ont que peu d'intérêt pour moi quand même au bout d'un moment. Il y en a tellement. Je vais donc plonger sur cette affaire pour avoir une confirmation de plus, ou pas d'ailleurs. Je vais vous laisser dans le suspense. Une confirmation ou pas, donc, monsieur et madame Hill ont été abductés ou pas. Ça s'était passé en novembre 61. Ils nous rappellent que les sessions de Remodio ne sont valables qu'à partir du moment où on a pu avoir une confirmation réelle pour éviter que les gens ne se basent que sur des séances de Remodio pour avoir une idée sur un sujet. Ils nous rappellent aussi qu'ils viennent d'éditer une séance sur les projets secrets sur la Lune, ainsi qu'une séance sur les tireurs l'assassinat de JFK. Et que si vous parlez anglais et que vous abonnez à sa chaîne, vous pouvez acheter ces séances sur Vimeo. Et on fait un petit retour sur la dernière séance qui traitait d'Ari Lanka, Bachar. Il y a des gens qui s'inquiétaient de savoir si Bachar avait été décrit comme femelle, féminin. Comme lors de la séance, il y a eu des bruits dans la salle qui participaient à ce que la dame disait, la rimotueuse disait, il nous rappelle qu'en fait, les séances qu'on voit ne sont pas une scène rejouée. Pour faire une séance de rimotue, les cérimotueuses ou rimotueurs viennent régulièrement et au bout d'une heure de rimotue, ils sont fatigués, il leur faut la journée pour se reposer. Et donc, ils reviennent le lendemain. Mais le lendemain, ils ne recommencent pas à zéro. Ils continuent, on va dire. Ils continuent sur leur lancée. Donc, en fait, il n'y avait pas de scène rejouée à cet endroit-là. Et il y a même des gens qui pensaient que c'est une escroquerie, puisqu'il y a quelqu'un qui soufflait à la rimodieuse quelques mots. Or, la voix qu'il y a eu, si on réécoute la séance de la dernière fois et qu'on met le son très très fort, la voix qu'il y a eu est un accompagnateur. C'est pas la personne qui fait le remodio. C'est quelqu'un qui s'assure que le cadre est bon, qu'elle regarde bien la caméra, que le son est bon, qu'elle ne se perd pas dans les détails. Et cette personne, à part, fait partie de l'équipe de tournage, on va dire, et elle n'est en aucun cas autorisée à participer aux données du remodio. Et quand ils tournent une séance vidéo, c'est en fait la dernière étape d'une séance qui a duré, d'une session en fait, qui a duré sur plusieurs séances. Ils commencent par faire deux ou trois séances qui se font à partir de papier et crayon, à table, on va dire. Et par la suite, elle va se mettre soit droite, ça dépend laquelle d'entre elles, quoi, soit au tableau, soit dans sa situation préférée. En plus, on a bien remarqué que les demoiselles étaient toujours très bien habillées, de manière friolante, de façon à proposer un spectacle. Ça, c'est mon opinion personnelle en tant que garçon. Et amplement séduit par l'attitude en général et la physionomie de ces demoiselles. Donc, je pense qu'effectivement, quand on essaye de rendre populaire le remote view, on ne va pas prendre un vieux barbu grincheux comme ma pomme hein, pour faire un remote view. On va prendre des gens qui présentent bien. Enfin, quant à moi, je présente bien, mais peut-être pas pour tout le monde.
Par exemple, moi, il m'aurait fait refaire la dent, vous voyez? Je suis presque sûr. Et moi, je ne veux pas la refaire, ma dent, parce que sinon, je ne peux plus coincer ma clope. Donc, ils font assez de séances pour avoir assez de données, et quand il y en a suffisamment, on est parti, on se maquille, on s'habille correctement, et c'est parti pour la séance vidéo. Et ça peut être la 4e ou 5e séance sur le sujet. Donc, il nous dit que c'est très difficile de faire ces séances en vidéo et que le remote viewer a besoin d'aide au niveau technique, on va dire. De façon à être sûr, en fait, en plus qu'elle respecte bien les règles du remote view. Donc, la description qu'elle a faite en disant qu'il était possible que l'énergie de Bachar soit féminine, c'était la partie où Bachar, ou l'énergie en question, était très protectrice envers le petit Bachar. Et ça, c'est une définition, c'est un ressenti qu'ils appellent de haut niveau. C'est-à-dire que c'est trop détaillé, en fait. À la limite, moi, en ce moment, en train de prendre toutes ces précautions pour vous expliquer tout ça, ce serait, on va dire, mon énergie est féminine aussi, qui tient à être délicat et précautionneux dans le détail. Voyez? Tandis que mon énergie masculine a tout de suite envie de vous amener, d'ailleurs, à la fin de cette introduction, pour qu'on rentre dans le cas Betty et Bernil. Mais bon, c'est juste un exemple. Hein. Donc, pour en revenir à Bachar, une dernière fois, l'entité qui est derrière Bachar est moins binaire que nous, c'est-à-dire elle est moins définie comme femelle ou mâle. Et donc, voilà, elle est moins définie. Elle est en même temps mâle et femelle. Donc, ils vont faire en sorte, enfin, ils font en sorte en général de rester avec des données qui restent de ce qu'ils appellent le bas niveau, c'est-à-dire moins raffiné, on va dire, dans la définition, puisque ça pourrait amener des détails, des idées, des conclusions fausses. Et à la limite, d'ailleurs, quand il y a des interventions de personnages extérieurs, normalement, quand ils font le montage de la vidéo, ils le coupent. Et bon, là, c'était a priori une erreur de montage. Mais soyez bien sûr que s'ils avaient voulu faire, ça c'est moi qui rajoute, s'ils avaient voulu faire une hoax, un faux, ils auraient fait attention à ce genre de détails. En fait, ils ne pensaient pas que ça allait avoir autant d'implications dans les commentaires. Et d'ailleurs, encore une petite annonce avant le cas Betty et Bernie Hill, c'est qu'ils vont nous présenter aujourd'hui une nouvelle remote viewer qui s'appelle Trudy Benjamin. Elle a subi déjà un entraînement de 6 mois et elle a une grande conscience des lieux, des cibles, quand ça lui arrive, quand elle veut remote view, comme si elle y était physiquement présente. Et ça va d'ailleurs être flagrant aujourd'hui. Et on va commencer par Mélanie Hall. Et elle nous dit, accrochez-vous à votre siège, ça balance. Donc on commence par Mélanie Hall. Exploring target 6455 4121. Je vous laisse juste le début là. Donc, c'était en accéléré un petit peu quand même. Hein. Et eux-mêmes avaient accéléré en plus la vidéo. Donc, elle fait son idéogramme. Et puis, par la suite, elle va pointer un endroit de l'idéogramme sur lequel finalement elle va plonger et ça va lui permettre de pénétrer dans la scène. Hein. Donc, là, elle est dans la nature. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La soirée. Une structure fabriquée par l'homme, a priori une voiture. Elle sent deux sujets à l'intérieur du véhicule, un homme et une femme. Donc le véhicule était dans la nature, hein, sur une route en campagne. Donc elle va s'intéresser aux deux sujets, elle va commencer par l'homme. Elle le décrit comme étant à la peau brune, un jeune homme noir, forte personnalité, un bon sens de l'humour, généreux, la fin de sa vingtaine ou le début de la trentaine. La femme est blonde, les yeux clairs, race blanche, la fin de sa vingtaine aussi. Elle ressent la manière qu'elle a de parler, elle parle de la manière très américaine. Bon, en fait, tout ça, nous, on le sait déjà, hein, on connaît le couple, mais c'est juste pour montrer que là, elle ne sait pas sur quel cas, hein, quand on lui propose une séance, elle ne sait pas de quoi ça va parler. Donc, sa description tombe bien sur le cas de Betty et Barney Hill. Ils sont très liés l'un à l'autre. Donc là, elle dessine la ligne de temps avant, pendant, après le moment qu'elle remote view. Donc elle va commencer par un peu avant. Ils sont dans la voiture qui avance. Ils se baladent, hein. Ils sont en promenade dans la nature.
Elle sent des bruits et des vibrations au-dessus du véhicule. Pas tellement au-dessus, très loin, mais au-dessus. Il y a quand même une drôle d'impression. Et quand elle arrive au moment de l'action, on va dire, pardon, elle ressent une lumière flashante au-dessus du véhicule. Le couple semble curieux, mais pas effrayé. Ils sortent de la voiture. Il y a cette lumière flashante devant eux. Elle sent un objet métallique qui se pose. Elle nous dessine l'objet métallique qui descend devant, avec donc une couronne de lumière en périphérie. Voilà la scène telle qu'elle la ressent. On va l'appeler la soucoupe, hein, l'objet. L'objet, le véhicule, le jeune couple dehors. Et l'espace d'un clin d'œil, les deux sujets ont disparu du sol. Cet objet n'a pas été fabriqué par l'homme. Elle l'a redessiné. Là, il y a bien toutes les lumières sur la circonférence, sur le pourtour. Il est gris foncé. Il est vraiment d'une high-tech et en avance par rapport à ce que l'humain a. Et il se déplace très, très vite. Donc, elle va jeter un œil à l'intérieur du vaisseau. Et elle dessine ce qu'elle ressent. Elle ressent que l'objet est beaucoup plus grand à l'intérieur que ce qu'on aurait pu croire qu'il l'était en le voyant de l'extérieur. Ces deux entités ne paraissent pas humaines. Ils ont des drôles de têtes quand on les regarde, les yeux un peu exorbitants. Ils sont aux commandes de l'objet, ils maîtrisent la chose. Il y a une atmosphère de high-tech. Elle ressent que les deux sujets qui étaient sur le sol sont maintenant dans le véhicule, enfin dans la soucoupe. Ils ont été capturés. Elle s'intéresse à l'homme. L'homme n'arrive plus vraiment à parler. On dirait qu'il miaule. Il ne peut pas parler. Il essaye, mais il n'arrive pas. Ça lui fait mal au cœur. Elle se sent désolée pour lui. Elle s'intéresse maintenant à la femme, qui est dans un espace avec plus d'espace, plus grand. Une pièce éclairée de partout. Donc, elle la sent sur un lit ou une table. Et sa conscience est absente. Son corps est exposé. Elle ressent qu'on lui a peut-être fait une sorte de prélèvement d'ovule. La démarche qu'elle subit semble très organisée. Elle ressent une drôle d'odeur dans toute la pièce, un mélange d'odeurs techniques ou, oui, de leur équipement et d'odeurs humaines, comme dans un hôpital, mais elle rajoute, mais un hôpital alien. Elle conclut que ça n'a pas l'air très sûr ici, là. Sûr, c'est-à-dire être en sécurité. Là, elle fait un sondage mental sur 3 jours plus tard, parce qu'à mon avis, elle est inquiète pour la sécurité du couple. Donc, 3 jours plus tard, elle se demande s'ils sont vivants. Oui, ils sont vivants. Donc, ça, c'est plus ou moins la preuve que vraiment, là, elle ne sait pas de quel cas elle traite. Parce que nous, on sait qu'ils sont vivants. Ils étaient même vivants le lendemain matin, quoi. Il me semble qu'ils avaient eu un temps manquant, très léger et encore, et qu'ils ne s'étaient même pas rendu compte de quelque chose. En fait, c'est bien plus tard, par la suite, lors d'hypnose, qu'ils ont découvert qu'ils avaient été abductés. Bon, on reprend. Donc, 3 jours plus tard, ils sont de retour sur Terre. Donc, elle refait un test, un sondage 2 jours plus tard. Donc, ils sont bien sur Terre. Ils ont l'air très normaux. Elle sent leur visage comme s'ils cachaient peut-être quelque chose, mais ils ne se rappellent de rien du tout. Quelque part, elle ressent que cette aventure dont ils ne se rappellent pas les a énormément rapprochés au niveau sentimental, on va dire, relationnel. Mais elle trouve que leurs yeux n'ont plus l'air normaux, pardon. Elle sent une différence dans leur façon d'être humain. Tout a l'air normal, à peu près, à part qu'ils n'ont plus l'air d'être tout à fait les mêmes comme avant. Ils sont dans un environnement très sympa, très cosy, leur petite maison. Et donc, elle ressent un léger malaise, mais c'est tout ce qu'elle a là pour cette cible. Donc, voici maintenant Trudy Benjamin, que voilà à l'écran. Donc, c'est vrai qu'elle a une démarche un petit peu différente. Donc, elle a juste fait un gros point bleu là sur l'écran. Et maintenant, elle focalise, enfin, pose son stylo dessus. C'est un petit peu le point de contact avec le point qui va le sonder, hein, cette démarche de planter son stylo sur le dessin. Et elle commence à décrire la scène, un couple, un homme, une femme. Elle décrit assez précisément le jeune couple. Elle a repéré qu'il y avait un élément n'appartenant pas au sol au-dessus. C'est très rond, grand,
contenant d'autres sujets à l'intérieur. Elle ressent que le couple est sensible aux émissions lumineuses provenant de la soucoupe, soyons clairs. Elle ressent que le couple est nerveux. Elle ressent la soucoupe s'arrêter au-dessus du couple. Elle décrit l'intérieur de la soucoupe très grande, de multiples sièges, impression électrique et magnétisme, émettant de l'énergie, alors qu'il se déplace sporadiquement dans le ciel, au-dessus des sujets. Elle décrit le jeune couple en train de marcher, de discuter à propos de ce qu'il se passe. À ce moment-là, la soucoupe cesse ses mouvements. La discussion entre le couple devient plus sérieuse. Évidemment, la conversation s'oriente vers ce qui se passe au-dessus d'eux. Elle ressent beaucoup d'émotions confuses entre le jeune couple à propos de ce qui se passe, comme une sensation de besoin d'aide. Donc là, elle nous fait un petit décor rapide. Moi, je vais en accélérer et puis eux, ils ont déjà accéléré. Hein. Okay, so this is an answer. La situation s'est figée, la soucoupe est figée, le couple s'est figé, il regarde ce qui se passe, elle ressent des conversations qui ne sont pas en anglais. Il y a observation entre les deux camps, on va dire. Ça se passe dans la forêt, la présence du feuillage est assez importante, ça fait plusieurs fois qu'elle en parle. Et quelque part, elle ressent que le couple a été emmené dans la surface, enfin dans la surface, dans l'objet volant. Donc, elle a décrit le jeune couple soudain être dans la soucoupe, la dite soucoupe s'enfuir dans le ciel, on va dire. Il y a d'autres entités à bord qui ne parlent pas anglais. Les entités qui sont à bord de la soucoupe sont petites, ont une couleur de peau claire. L'intérieur de la soucoupe est vraiment très rond, très arrondi. C'est la seconde fois qu'on nous décrit ça, qu'elle est très grande aussi à l'intérieur. Dans le ciel, elle a des mouvements multidirectionnels, on parle de la soucoupe. Elle nous les décrit assis une fois que le couple est à bord de la soucoupe. Il y a quelques fenêtres. Elle ressent que le couple n'est pas réactif. Il y a quelque chose qui ne paraît pas normal du tout. Leurs émotions sont confuses et plutôt rebelles. Ils ne réagissent pas physiquement, mais a priori, ils n'apprécient pas. Ils ne sont pas d'accord. On dirait que les abducteurs aimeraient les pousser à parler, aimeraient avoir d'eux des informations, mais eux n'en fournissent pas. Les autres sujets, c'est-à-dire les pilotes, on va dire, de la soucoupe, sont grands, en fait, maigres, très pâles de peau, et ils ont l'air aliens. Il y a plus d'entités masculines à bord de la soucoupe que de féminines. Les sujets masculins, sans compter Betty et Barney Hill, portent des costumes sombres. Ils sont dans une sorte de mission qui a un rapport avec le fait qu'ils portent ces uniformes. Les sujets en uniforme s'adressent à la femme, à Betty. Alors qu'ils s'adressent à elle, elle reçoit de l'énergie qui la pousse à s'allonger. Elle est soumise à des palpations. Elle est soumise à des examens. Elle ne réagit pas. Elle est au bord des larmes. Betty, elle aussi un peu. Ce qui se passe autour de la jeune femme la dégoûte plus ou moins. En fait, la jeune femme subit quasiment des attouchements ou un examen physique, mais aussi quelque part mental. Barney parle maintenant. Il est très frustré. Il n'est pas d'accord du tout. Il est très irrité. L'équipage de la soucoupe aimerait bien que Barney parle de quelque chose. Il semblerait qu'il ait des informations dans son esprit que les autres aimeraient acquérir, mais il est rebelle et il lâche rien. Il dit pas un mot au sujet dont les autres aimeraient qu'il parle. Donc, lorsque l'équipage s'adressait à Betty, la conversation tournait aussi dans l'idée de lui soutirer des renseignements. Mais elle n'a vraiment pas dit grand-chose. Donc, l'équipage reporte cette conversation avec Barney. Et Barney n'est pas du tout coopératif. Et de la même manière qu'ils ont finalement envoyé de l'énergie pour faire s'allonger Betty, c'est ce qui se produit aussi pour Barney. À la différence que lui, on va le sonder physiquement, avec des objets,
comme s'il soutirait une information depuis ses organes sexuels et aussi d'autre part, depuis d'autres endroits de son corps, d'autres organes et aussi de son esprit. Elle dit, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Rien à propos de cette situation n'est normal, d'ailleurs, dit-elle. Elle n'apprécie pas du tout non plus être spectatrice de cette scène. Elle va éviter de se mettre à la place du corps de Barney. Donc, a priori, je suppose qu'on lui a fait des prélèvements assez poussés, quoi. Lui non plus, maintenant, n'est plus réactif, hein, pendant ses tests et ses sondages. Il est inconscient, on va dire. À la suite de cette séance, elle visualise la soucoupe se posant à un autre endroit, remettant les deux sujets après qu'ils aient fait leurs examens. Et les deux sujets sont maintenant conscients dans un nouvel endroit, dans leur véhicule qui roule, comme si rien ne s'était passé. Elle a quasiment la nausée, hein, notre remote viewer. Donc, on va dire, la soucoupe est repartie, le couple est de nouveau à bord de son véhicule. Le jeune couple reprend conscience après avoir été examiné, mais comme s'ils avaient été sous hypnose, et donc n'ayant pas vraiment le souvenir de cette séance d'examen. Et si elle devait avoir exprimé un sentiment sur cette situation, elle dirait « je suis dégoûtée ». Elle trouve que des aliens qui font des tests sur les humains comme ça n'a rien de normal ni de tolérable. Elle nous fait un récapitulatif, mais à chaque fois qu'elle revient au niveau de la séance d'examen, la nausée lui reprend. Alors en fait, c'est assez terrible parce que quand elle se concentre sur la situation, elle est à la place de chacun des époux, il. Et donc, elle est en train de vivre les examens, là. Et ça entretient sa nausée, on va dire, hein. Elle n'arrive pas à comprendre ce que les aliens pouvaient bien chercher. Et en fait, en plus, en même temps, elle n'a pas envie de savoir. Et là, elle est obligée de se calmer, de respirer, tout ça. Et on entend aussi une voix là, d'une personne derrière la caméra qui lui dit « ça va aller, calme-toi ». Je veux dire, pour la première séance en vidéo, ils lui ont pas fait un cadeau là quand même. Et je crois qu'on va arrêter là avec cette séance pour elle. Et elle finit quand même en nous faisant un gentil sourire. Elle a du courage. Et troisième bout avec Camilla Dunson. Donc, elle décrit un paysage de campagne normal. Donc, elle nous fait une description globale de la scène avant tout. Une interface eau-terre, un environnement assez urbain, de la végétation, du monde aux alentours. Je vais quand même résumer un petit peu les sujets, enfin les éléments qu'on n'aurait pas eu dans les deux premières sessions. C'est intéressant de voir que quand on décrit Barney Hill, il a vraiment une forte personnalité qui transparaît. Et de la même manière, elle aussi a une personnalité affirmée. On n'a pas envie de leur chercher des noises ni à l'un ni à l'autre, quoi, en fait, elle dit. Ils ont des personnalités complémentaires, ils sont partenaires. Elle décrit des mouvements aériens, enfin aériens, des perturbations atmosphériques suite au mouvement de la soucoupe volante. Et elle décrit aussi de manière assez significative le son qui accompagne la présence de la soucoupe. La soucoupe qui se meut de manière erratique. Je signale ces petits trucs-là parce que ce sont des éléments intéressants dans la caractérisation de la situation, d'une situation quelle qu'elle soit. Elle ressent qu'il y a des entités à bord de la soucoupe qui n'ont pas vraiment l'air organiques. Elles sont pas bio, quoi. Ils ont l'air humanoïdes. Ils ont l'air humanoïdes, mais ils sont pas humains. Elle hésite entre alien ou intelligence artificielle. Intelligence artificielle, donc dans des androïdes, on va dire, ou des robotoïdes, parce que si c'est pas bio. L'Android, c'est bio quand même, non? Ah, pas forcément. Ouais. Non. Mais c'est pas bio. Donc là, nous décrit l'intérieur de la structure, de la soucoupe. Trois entités, les parois très arrondies.
la soucoupe est ronde, quoi. Il lui semble que ces trois sujets-là, les trois IT, les androïdes, manquent de force vitale. Ils n'émettent pas la vie. Il semblerait qu'ils soient contrôlés par quelqu'un. Ils ne font rien d'eux-mêmes. Ils obéissent. Et ils suivent des directives. Ça nous rapproche bien de l'idée de terminaux d'intelligence artificielle, en fait. Donc, quand elle a dessiné tous ces mouvements énergétiques au-dessus de la ville, là, a priori, c'est plus ou moins la trace qu'a laissé la soucoupe en errant de manière erratique. A priori, ils ont abducté les îles au hasard, en fait, parce qu'ils étaient isolés. À moins qu'ils les attendaient, mais ça, je ne pourrais pas vous dire pour l'instant. Elle ressent comme des vagues d'énergie qui partent de la soucoupe, comme des ondes radar qui sonderaient la ville en dessous, ou le paysage quand ils seront au-dessus de la voiture, quoi. Les entités communiquent de manière plutôt télépathique entre elles, ou ils possèdent un appareil qui leur permet de ne pas communiquer verbalement. Elle ressent comme une sorte de désir de pénétration dans ce milieu-là de la part des entités, une sorte d'infiltration, comme s'ils préparaient un plan pour s'intégrer à cette société particulière. Donc, il est bien clair que les entités ont l'air humaines, sont humanoïdes, mais elles n'ont pas la vie en elles. Il leur manque quelque chose d'essentiel pour être humain. Je ne sais pas comment on peut traduire ça, une personnalité ou une âme, peut-être, en étant plus... Bon. Et elle a encore décrit un petit peu une sorte de rapport de domination entre les entités et le couple, de manière assurée, comme s'il y avait un sentiment de propriété, mais j'exagère un peu dans la propriété, de domination. Et c'est la fin de la séance. Donc, il nous fait maintenant un petit récapitulatif et une conclusion à propos de cette impression, comme si, en fait, il y avait une interaction entre les époux Hill et les IT. Il compare un petit peu ça à un enfant qui est malade et autour duquel sa mère s'affaire, lui amenant les médicaments, son petit déjeuner, s'habillant, prenant soin de lui et tout ça. Et pour un observateur extérieur, on pourrait se demander si finalement l'enfant n'est pas en train de dominer sa mère. Vous voyez, de la mener par le bout du nez, enfin d'être celui qui organise la situation. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'il interprète ces données. Et voilà, ça sera tout pour cette séance. Je ne sais pas si je vais vous remercier d'avoir suivi ça. Mais bon, j'espère que ça vous a plu, que ça a amené quelques éléments de plus sur ce cas, qui a priori donc n'est pas un fake. Et les époux ont bien été abductés. Et que par la suite, ils aient été mis sous hypnose pendant cette abduction, c'est le côté où, après avoir essayé de communiquer avec eux, finalement, vu qu'ils étaient rebelles, on les a rendus inconscients avant de les tester de manière assez dégoûtante, comme disait notre petite nouvelle venue dans l'équipe. Voilà. Eh bien, écoutez, bon courage et rebelle, hein ? On lâche rien. De toute façon, ça ne changera rien. Mais au moins, quelque part, moi, je pense que on se sent moins dépossédé. Bon courage. Salut. Je ne dis pas bon courage parce que ça va nous arriver. Hein. Non. D'ailleurs, a priori, normalement, ça nous est déjà arrivé. Pas forcément. Mes hommages. Salut.